Allez, l'ambition. Refusing enrollment in the fall, you took up in that moldering brownstone, where I joined you in a vain attempt to assuage your aspirations. Now, free from academic oversight and moral restraint, you vowed to reach into the blackest depths of the occult sciences and be the first to grasp the secret of the Iron Crown. The polarity between us reversed. I became your reluctant assistant in dozens of deplorable experiments, crushed in the grip of your ambition. The crossroads, where lost souls hope to find their way. Beneath bloodlust and fury, there is emptiness and shame. Bon, maintenant toi t'es une guerrière destructrice. Pride. Toi, tu vas devenir une première ligne parce que 20% de PV masse en plus et t'es dégâts en plus sur ta riposte. Toi, tu vas devenir un virtuose pour avoir plus de PV et plus d'initiative. Et toi, bah, comme d'hab, une alchimiste. Comme ça, tu vas faire bien chier ton monde. Bon, là, putain, on est quand même à l'avant-dernier boss du jeu, hein. You can feel it. A change in the air. The bulwark of your denial is giving way. Effective. Push on to the inn. Rest and resupply await you. Tonight, under the mountain's unblinking gaze. Each improvement, a new variable in the equation. Alors, ce que je veux, c'est de la santé mentale et mon tank qui peut tanker. Alors, maintenant, on va prendre la flamme rayonnante. Le lapin. Oh, le grill d'entrée de jeu. Ça fait tellement plaisir ça. De l'alcool, évidemment. Ouais, objet de soins, je prends.
petit lapin. It cannot fight, but perhaps it can calm. Le grill et la flamme rayonnante. En vrai, c'est un petit relis sympa qu'on a là. Hein. Parce que lui, du coup, on a plus un à l'initiative et on va avoir de la bouffe gratos tout le temps. Consider your position and plan accordingly. Ah, j'essaie toujours pas de faire ce boss là, mais là, c'est trop tentant, les deux points de maîtrise. The barnacled timbers of the coastal villages are sodden with salt. On va sans doute crever, hein. J'annonce, on va sans aucun doute crever, parce qu'on n'a pas de stuff ni rien, et c'est pour moi l'un des pires boss du jeu. On va voir si on trouve sa planque, mais normalement oui. Oh putain, et en plus il est early game. Enfin, il est juste là quoi. Il est juste là. Et ça va nous enlever l'armure. Oh putain. Ah, le truc a décidé de nous enculer. Bon, après, si on le bat, on sera pas mal. Alors, pourtant, la musique, elle est cool. Excellent work. Ouais, vous rêvez pas, hein. C'est bien Fetus qui a annoncé de saloperie. Early results are encouraging. Tellement pas de dégâts. Ah putain, on va tellement crever sur le boss. C'est un boss qui justement nécessite d'avoir énormément de dégâts. Parfait. Pourquoi tu commences avec ça toi? Oh, il a une plaie crânienne, 50% de chance de commencer son tour avec une perte de son tour. Oh là 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 là, ça c'est dégueulasse. Ah bah oui, mais super, boost tes potes, hein, se dit rien surtout le connard. Ah et en plus là, le boss il fait pop sa zone de brume. Quel casse-couille ce boss. Ouais, parce qu'en fait ce boss là c'est le seul qui peut interagir son environnement. Même quand il est pas là. Nice.
Allez, on continue à le provoquer. Il y a un poison. The enemy weakens and wanes. Oh, ça le fout même pas à terre, le poison. Alors, question de l'âne, si on bute le boss. Comment on documente ces objets de combat de 2 par pile? C'est de la merde. Ah oui, en plus, j'adore. C'est là, pour moi, c'est le boss le plus dur dans les boss secondaires. Et il n'a que des récompenses de merde si on le tue. Hein. Début de tour, action. Si, action supplémentaire, chance. Ok. Oh là là, il donne tous tes systèmes de merde. À part ça, potentiellement, ça peut être rentable. Et encore, quoi, vraiment. Alors bon, la strat du boss, j'explique. En somme, voilà, il nous met des buffs, enfin des debuffs, mais bon, là ça va pas passer, tant mieux. Sa strat à ce connard là, c'est qu'il va faire pop sa main géante. Sa main géante va prendre un de nos persos et le foutre dans l'eau. Donc on n'aura pas pété sa main, notre personnage va se noyer constamment. Et elle va taper en plus, c'est genre le... C'est un peu comme l'équipage noyé du premier, mais en 10 fois pire. Sympa, hein. A slow dissection, an unavoidable end. This is no time to falter. Ah oui, et aussi il nous fait saigner si on se déplace. C'est le bonheur, c'est la joie de vivre. C'est le genre de boss, vous voyez, on les aime bien. Voilà, il fait pop sa main. Sa main va prendre quelqu'un. Ok, mon tank, ça fait un petit peu chier, mais ça va. Là, il va nous en mettre plein la gueule, du coup. Voilà. Ça m'a va taper aussi, évidemment. Voilà. Et elle focus mon médecin de peste, hein, sinon c'est pas drôle. J'en suis. Ça l'a pas tué en plus. Voilà, là ça la tue. Ah, il a quasiment rien perdu de vie en plus entre temps, quoi. Aïe 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 aïe, ça sent tellement pas bon. Ok, c'est son debuff, je le vis bien. Là, il va faire apparaître sa main. C'est qu'elle va saisir. Je pense que ça va être Boudica. Ah non. Ah bah vraiment, il a une obsession sur mon... Oh, oh.
Self-reliance is a rare, oh, wonderful thing. Ah là, il a chaud. Ouais. Aïe aïe aïe. Ah, le moins 3 dans tout là, ça va faire pas du bien du tout. Hein. On va pas se mentir. Ça va pas tuer sa main. Ça va pas tuer sa main. Ça sert à rien de tenter le diable. Oh nice. Fellowship forged through toil. Once again, teetering on that terrible precipice. Fight through the fatigue. Oh non. Ah oui. Ah bah. Oh, ça va être compliqué, il a tellement encore de HP. Ah, ça va pas passer, je pense. Voilà, ça devient compliqué, hein, on va pas se mentir. On a vraiment passé de dégâts. Oh! Steady stances. Exhaustion takes hold. Oh ouais, non, c'est mort. C'est mort. Dommage. Remain undeterred. And you will yet prevail. Bon, 4 bouchies. Je sais pas où on va aller avec ça, mais. Dommage, on avait un petit early sympa. Et pas assez de DPS, hein. We travel through the incalculable dimensions of human weakness. Ouais, c'est vrai que j'ai pas équipé ça, mais bon. Pas servir à grand chose, je pense. Hearts and minds will carry the day. To recall a thing. Ah, je vais prendre un objet d'intelligence. Ok, ça me sert à rien. Et on va lui prendre une breloque. A welcome advancement in the science. Et un objet de combat. Il nous a filé que de la merde, hein. Je vais pas vous mentir, on va rien foutre avec ça. Once more into the maelstrom, in search of what hope yet remains. Bon bah c'est reparti pour une autre run, hein. Ambition, s'il vous plaît. House on the borderlands, swallowed by the stain. You
calibrated prisms along the points of the crown, cackling in smug satisfaction as wavelengths of hideous and indescribable light burned our eyes. The crossroads, a place between places. Beneath bloodlust and fury, there is emptiness and shame. Pride, more devastating than the horrors of 100 campaigns. Indiscriminate science stains the surgeon's hands. You came here seeking solace, but found stagnation instead. The point of no return welcomes you with open arms. The bulwark of your denial is giving way. Oh non. Ça va, pas de maladie, parfait. A lesson taught is a lesson learned. Are you shaken? There is so much worse in store. The fire is lit, the table is set. The inn awaits its favorite guests. Any advantage is a good thing. Alors les classiques, hein. Santé mentale. Et montante qui vient d'ange. Conventional fare. Et non. La flamme flamboyante niveau 2. Logique. Le lapinou. Ah, et là il me propose rien d'intéressant. Ah ça c'est bien ça. Plus 20% de dégâts. In such a little thing. La binouze. The next stop is leagues away. Plan accordingly. Je veux le lapin. Et je veux ça. Radiant light will suffuse you. Et toi, on va t'équiper. Ah, ça j'aime bien. Choose your path and
ride out unbound. Ah, donc il faut visiter une oasis par contre. Ok. Oh, la putréfaction, on devrait un peu mieux gérer. Un peu mieux. The rancid crop grows unchecked and abhorrent. Alors nous devons visiter une oasis. Tac. Là il y a le boss, donc là on va essayer d'y aller. L'oasis elle est là. Ah, c'est soit l'oasis soit le boss. Bah le boss hein. De toute façon c'est... Attendez, c'est combien de... Un seul point de maîtrise, ouais le boss est plus rentable. Parce que le boss rapporte d'office un point de maîtrise. Et il nous donne une récompense. Alors je sais bien que l'enfant de la moisson c'est pas le plus rentable de tous hein. Mais c'est beaucoup mieux que le Kraken. Et il est un brin plus facile à gérer que le Kraken. Manor. Do you hear the child's cries? Du poison. Emboldened. Ça va, les larvins, ils se gèrent. The work continues. Ouais, on prend l'argent et on attaque la suite du donjon. Parfait. Ok, elle est morte à son prochain tour, plus un centre à casser. A master stroke. J'ai bugué pendant un instant, je crois que c'était Menia, mais non, 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 c'est Anagramme, je suis complètement con. Parce que j'aimerais bien jouer avec elle, avec Anagramme à Baldur's Gate 3.
putain, Baldur's Gate 3, c'est une tuerie ce jeu. D'ailleurs, on va le stream un de ces quatre. Vu que d'abord, je le fais une fois dans mon coin tranquille, alors que je veux en profiter pleinement. Je veux pas qu'on vienne me casser les couilles sur Baldur's Gate 3. Que pour moi, je trouve sincèrement que Baldur's Gate 3 est à coup sûr le RPG de cette année. Ça, c'est, ça se discute pas en fait. Et je pense pouvoir parler sans trop de difficulté que c'est sans doute le meilleur RPG qu'on a eu depuis 10 ans. Ça, c'est déjà plus discutable, mais je pense que c'est pas loin de la vérité. Hein. Faudrait faire un triptyque RPG qui sont sortis ces 10 dernières années, mais sincèrement, je pense pas qu'il y en ait un seul qui pète le cul à Baldur's Gate. Born to a corpulent, half-eaten mother, the child is a ravenous avatar of degeneracy. Malaise, measured and steady. Breakthrough. Attends, on l'a équipé alors que je sens pas les 20% de dégâts en fait. Les bruits de bébé, c'était pas une obligation, les gars. Vraiment, ça me met un peu mal à l'aise les bruits de bébé qui fait le machin. Voilà, maintenant on va pouvoir se centrer sur le boss. Qu'est-ce qu'il nous met dans la gueule ? This wound at least has been tended to. We can rely only upon each other. Fellowship forged through toil. A calculated generosity. What a welcome one, nonetheless. Oh, le petit bâtard.
the fiend's strength dwindles. Allez, avec un peu de chance, ça va le tuer. Non. Avec un peu de chance, ça va le tuer. Non. Once again, teetering on that terrible precipice. Bon là, il faut lui meuler sa grosse gueule. Yes. Ah bah ça a pas été évident. Ah ça, ça fait plaisir ce trophée là en vrai. Ah, vous voulez faire la tour de guerre, on va la tour de guerre, les enfants. At least we know what's coming. Bon, ça donne le temps à mes personnages de se reposer un peu, quoi. Là, on va pas se mentir, ils ont pris tarif, hein. Eh, mais attendez. Mais c'est bon, je peux aller à l'Oasis. Et du coup je vais choper deux points de maîtrise en fait. C'est le full rentable ce que j'ai fait. Oh, par contre la relation Boudica-Baristan elle est... elle est top, hein. Franchement, je pense qu'ils s'aiment beaucoup les deux, hein. On to the next. À chaque fois qu'il y a... fermer sa gueule. A master stroke. Ah ok, il a seigneur filé une maladie, salopard. Oh tu vois, ta gueule. Marre-toi encore. Voilà, tu te marres plus maintenant ton Alonie, hein. Non. Ah, personne n'a chopé de maladie. Allez, ça dégage. The one pleasant in the extreme. Ok, je récupère pas mal de ressources. Necessary. On va pourtant choper de la haine. Bah là il nous faut l'oasis pour avoir la récompense. Tu vas avoir tes points de maîtrise pour améliorer nos compétences, c'est jamais perdu. Ton early. Une oasis. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, comme ça, il récupère plein de santé mentale, un peu de relationnel et on récupère un peu de flamme. Comme on a l'amélioration pour récupérer un peu d'eau à l'oasis, on chope un peu d'eau. Bon, je suppose ça, ça fait pas de mal de récupérer.
fait de la place et ça permet d'avoir un peu de stuff. De toute façon, on n'avait rien, alors j'ai envie de dire. Et en plus, on a un nid de créature, donc parfait. Comme ça, je vais pouvoir en plus choper la récompense en le faisant tomber ce nid. Donc on a un petit early sympa là, il aurait juste fallu qu'on chope le drill, comme sur la dernière run, parce que c'est notre seule source de nourriture potable, parce que la larve, enfin la... Le truc des marais là, c'est pas rentable parce que trop de choses de choper de maladie, j'ai pas envie de tenter le diable. J'espère que... Ouais, ça va, c'était la bonne. Parce que si j'aurais tué celle-là en first, elle aurait pu bouffer celle-là et se transformer. Ça aurait été un peu embêtant. Bah bon, là, il va bouffer pour survivre. Même pas. Ah, il préfère la mort que manger. Ça me va. Voilà, là il mange celui-là. Et il fait mal. Welcome relief from caustic agony. Mistimed, misdirected. Putain, il a chopé une maladie, il fait chier. Fight through the fatigue.
brilliant conclusion. Eh ben, ça aurait été plus compliqué que prévu. Abandoned or forgotten, it is ours now. The loathing abates. Est-ce qu'il y a un truc médical? Non, fais chier. Perhaps you are finding your courage at last. Là, je vais vous faire foutre un peu. Agony by accumulation. Collaboration confers advantage. The smallest variable can make all the difference. Ah mais je suis pas tiré d'affaire, il y a encore un comp. Toothy and corpulent slaves to their hunger. Ah je peux esquiver le combat et rien perdre. Et même en rationnel, bah très bien, ça me va. Sur moi, mais mon équipe récupère de la santé. On va le tuer tout seul.
road cannot be walked alone. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. The loathing whispers.